allez bien? Alors aujourd'hui, je voulais faire une lecture de tarot, rien que pour vous. Voyons voir ici ce qui se passe avec mes lions d'amour. Voyons voir ce qui se passe avec mes lions d'amour. Sur ma page, sur cette vidéo, ça affiche ma page Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à cette page. Je poste là-bas tout plein de vidéos, ok? Alright, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ici avec les lions? Ok, les lions. Les lions, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression que vous avez beaucoup de chance actuellement. Vous avez peut-être ici l'impression d'avoir beaucoup d'argent. Je ne sais pas. Il y a plein de dépenses peut-être que vous êtes en train de faire. Ou encore, il y a beaucoup d'argent qui est sur le point d'arriver vers vous. Je vois ici un changement dans la manière dont vous vous habillez, un changement dans la manière dont vous êtes, un changement dans la manière dont vous vous présentez devant les gens. Je sais pas, il y a peut-être ici un contrat, un document. Il y a ici un document qui a beaucoup d'importance pour vous. Un contrat qui a beaucoup d'importance pour vous. Un contrat qui est en rapport avec de l'argent. C'est peut-être aussi un nouveau travail. Mais vous vous accrochez à un contrat, vous vous accrochez à un dossier, vous vous accrochez à un document. Il y a un document que vous avez entre vos mains et qui a peut-être beaucoup de valeur. Et je ne sais pas pourquoi, mais vous avez ici cette impression-là que c'est ce document-là qui est la clé de votre lendemain. Right here. Je ne sais pas si c'est un document qui vient d'être signé ou si c'est un document qui vient d'être finalisé. Mais c'est quelque chose qui vous donne ici beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance. C'est ici quelque chose qui, you know, vous avez l'impression que vous êtes à la tête d'un empire, à la tête de quelque chose. Il y a aussi de fortes possibilités qu'il y ait très bientôt quelqu'un qui s'approche de vous avec un contrat, une offre de travail. Mais il y a ici quelqu'un qui veut en tout cas s'associer avec vous, travailler avec vous. Les lions, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans votre côté égocentrique actuellement. Peut-être que vous essayez de le cacher, mais vous êtes beaucoup, vous avez beaucoup confiance. Je ne sais pas, beaucoup confiance en vous, beaucoup confiance en quelque chose. Mais on a ici quelqu'un qui a beaucoup confiance en quelque chose. C'est en rapport avec beaucoup d'argent. C'est en rapport avec beaucoup d'argent. Mais cet argent-là dont on parle est dans la position du passé. Donc, c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé, un contrat qui a déjà été signé. Mais il y a beaucoup de confiance ici. Il est même probable que il y a un voyage que vous êtes censé faire, ou encore il y a un voyage que vous vous apprêtez à faire. Et c'est comme si vous attendez que des documents soient signés afin de pouvoir voyager. Vous attendez que des documents soient signés afin de pouvoir faire ce que vous voulez faire. Mais il y a trop de confiance ici, en fait. C'est ça qui m'énerve. Trop de confiance. Attendu. Vous avez bien dit qu'il y avait trop de confiance. Je vous avais bien dit qu'il y avait trop de confiance. Trop de confiance, parce que quand on a trop de confiance, quand on a son ego qui est trop monté, ça descend.
Bien dit avec trop de confiance. On a la carte ici qui est sortie, qui est une carte, qui est la carte de... comment on dit ça? Une carte de deuil. Mais pourquoi cette carte-là sort? On a ici cette carte-là qui sort de manière tangente. La tangente de la diagonale, ça me rappelle quand j'étais encore à l'école. Ah oui, j'étais très forte à l'école, mais j'ai oublié tout ça. On a ici la carte qui est sortie d'une manière tangente. Il ne faut pas réveiller mon mari, il dort. Il est 5h du matin, 6h du matin, pour faire une vidéo ici, là, pour vous donner. Manière tangente comme ça, qui sort. Et qui vient carrément annuler la combinaison de d'argent, voyage et contrat. D'accord? Vous avez bien dit. On a cette forte combinaison de cartes-là qui est complètement annulée par cette carte-ci. Il y a quelque chose que vous avez perdu, un contrat que vous avez perdu. C'est peut-être même un ticket loto qui est perdu. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je vois ici quelqu'un qui... on a même ici quelqu'un qui pleure. C'est peut-être aussi un travail que tu as perdu. Il y a un travail que tu as perdu. Il y a de l'argent que tu as perdu. Il y a quelque chose qui a été perdu. Je vois ici quelqu'un qui est en train de pleurer. Tu as l'impression que tu as mal fait quelque chose. J'ai mal calculé mes plans. En tout cas, il y a quelque chose que j'ai mal fait. On a ici quelqu'un qui regrette la manière dont il ou elle a procédé vis-à-vis de quelque chose. Pour d'autres, c'est peut-être aussi en rapport avec la rupture d'un contrat. Il y a peut-être ici un contrat qui a été violé, ou encore c'est vous-même qui aviez violé un contrat dans un certain sens. Il y a un voyage que vous vouliez faire, maintenant vous ne pouvez plus faire. Vous n'avez plus l'argent pour faire un voyage en particulier que vous étiez censé faire ou encore que vous vouliez faire. Et il y a aussi de fortes possibilités que cette situation-là est carrément reliée à une femme qui vous pose des problèmes, une femme ici qui se bat contre vos plans, une femme ici qui est toujours en train d'attaquer vos plans ou encore qui arrive de nulle part et puis elle gâte tout. Quelque chose comme ça. Pour d'autres, peut-être aussi que vous êtes ici dans une situation où vous avez un problème avec votre boss, votre patron. Mais il y a beaucoup de regrets ici. On va continuer de lire un peu les cartes. J'ai l'impression qu'il y a plein de messages. Il y a un contrat. Il y a un contrat ici qui vous cause problème. Ou encore, il y a un contrat qui vous a été délivré. Il y a la violation. Donc, il y a quelque chose ici que vous avez reçu. Et j'ai l'impression que ça ne vous arrange pas. Pour d'autres, c'est peut-être même ici en rapport avec un juge qui a donné une décision. Ça ne vous arrange pas. On a de l'argent qui est bloqué. On a peut-être votre argent qui est bloqué. Pour certains, c'est peut-être en rapport ici avec une situation judiciaire. Pour d'autres, c'est en rapport avec un mariage. Peut-être que tu es ici dans une situation où tu viens d'apprendre que quelqu'un est marié, que la femme que tu voulais est mariée. Une femme qui pouvait t'apporter beaucoup d'argent. Une femme ici qui était un peu comme une carte joker. Dans un sens, tu as l'impression que c'est avec toi qu'elle devait être. On a peut-être aussi une femme qui a relocalisé, you know. Et je vois ici quelqu'un qui est en train d'observer une personne sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu es toujours en train de l'observer, l'analyser. Pour certains, il est probable que vous êtes ici espionné sur les réseaux sociaux. On a peut-être ici quelqu'un qui vous voit parce que il y a de fortes possibilités que certaines choses risquent de commencer à pick up dans votre vie. Je vois aussi beaucoup de... une vie privée. Moi, j'aime tellement les vies privées parce que c'est tellement privé que même quand tu es dans les problèmes, personne ne sait. J'aime vie privée. Tu as l'argent, personne ne sait. Tu es dans le problème, personne ne sait. Mais si tu es décédé, je ne pense pas qu'ils vont savoir.
Ok? Mais il y a ici une situation où je vois vraiment ici quelqu'un qui est embêté, embrouillé, parce que ses plans ne sont pas en train de fonctionner. Les choses qu'il ou elle a mis en place ne sont pas en train de fonctionner. Ok? On a aussi ici quelqu'un qui est en train de chercher du travail. Je vois ici quelqu'un qui recherche du travail. Si tu es en train de chercher du travail, tu risques d'avoir du travail bientôt. Je vois aussi ici une personne qui veut se réconcilier avec son père ou encore pour d'autres. Si vous êtes ici une femme et que vous avez une certaine puissance, ça peut être puissance, ça peut être notoriété, ça peut être tout et n'importe quoi. You know? Mais je pense que c'est plus en rapport avec puissance, notoriété, présence. C'est plus ici en rapport avec le savoir de quelque chose. Il y a un homme ici qui est très puissant, un homme qui a peut-être sa propre entreprise, etc., qui veut rentrer en contact avec vous. On a peut-être ici quelqu'un qui veut travailler avec vous. Pour d'autres, on a un ancien boss. Grand boss même. Qui est sur le point de rentrer en contact avec vous parce qu'il veut travailler avec vous. Je ne sais pas si vous allez dire oui ou bien si vous allez dire non. Mais on a ici quelqu'un qui vous met sur un piédestal et qui a envie de continuer d'avancer avec vous. Ok? C'est peut-être ici quelqu'un qui est bélier. Something like that. Les lions, faites attention à quelque chose qui est en rapport avec des drapeaux rouges. Peut-être que vous ne payez pas attention à un problème. Il y a quelque chose que vous ne remarquez pas, quelque chose que vous n'avez pas remarqué. Pour d'autres, vous n'avez pas remarqué qu'il y avait un problème dans un contrat. Vous n'avez pas remarqué qu'il y avait un problème dans une légalité. Vous n'avez pas remarqué un problème. Et on a ici des anges qui me disent que vous êtes peut-être tellement dans votre ego actuellement que vous n'êtes pas en train de faire attention à quelque chose qui peut vous créer des problèmes dans le futur ou encore quelqu'un qui risque de venir vous créer des problèmes dans le futur. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Portez-vous bien. Bisous, bye.